Culture et patrimoine du judaïsme, une émission présentée par Emmanuel Attias. Chers auditeurs, bonjour. À l'heure où l'on croit les communautés juives rurales d'Alsace mortes et oubliées, certains s'évertuent à les faire revivre à travers des cérémonies d'anniversaire ou bien par des livres mémoriels qui retracent l'histoire et le parcours de ces keilotes, nombreuses et dynamiques, qui jadis jalonnaient la vallée rhénane. Ce mois-ci, la communauté juive de Saverne, aujourd'hui réduite à seulement une petite poignée de membres, a ainsi célébré les 120 ans de sa synagogue. Partiellement détruite pendant la Shoah, mais restaurée après-guerre, la bâtisse de style romano-byzantin, construite en grès rose des Vosges en 1900, a accueilli à cette occasion une foule d'anonymes, juifs comme non-juifs, avec la présence exceptionnelle du grand rabbin de France, Chaim Korsia. Non loin de là, la synagogue de Schirmeck, proche du camp de concentration du Struthof, s'est vue décerner quelques jours auparavant le prix engagé pour le patrimoine, assorti d'une subvention de 100 000 euros pour restaurer son magnifique intérieur début de siècle. Si cet engouement pour l'héritage rural des Juifs d'Alsace n'est pas nouveau, l'histoire et la culture de ce vieux bastion du judaïsme franco-allemand semblent en revanche connaître un regain d'intérêt ces dernières années. Pour preuve, l'apparition ces derniers mois de deux ouvrages d'un certain intérêt, tant sur le plan historique que sociologique. D'abord, l'histoire des Juifs d'Alsace, une somme de 400 pages qui a pour ambition de réparer une injustice. Son auteur, Michel Kremper, regrette en effet que le passé et le devenir de la communauté juive d'Alsace, plus que millénaire, n'aient pas davantage suscité de travaux de fond, à l'exception de rares œuvres de chercheurs qui en ont fait leur spécialité jadis, à l'instar du sociologue renommé Freddy Raphaël, du professeur émérite d'histoire Alfred Wall ou encore du professeur d'histoire dans le secondaire Jean Daltroff. Les monographies consacrées à l'Est de la France ou à l'espace germanique n'ont en effet jamais traité avant cette parution de 2021 le sujet en profondeur et surtout sur la longue durée. Spécialiste de l'histoire de l'Alsace, Michel Kremper est prolifique. Auteur d'une dizaine d'ouvrages sur la région en seulement 5 ans, il dresse dans sa monographie dédiée aux Juifs d'Alsace un état des lieux de la situation d'accueil et de rejet qui a prévalu dans cette zone de carrefour depuis l'époque carolingienne jusqu'à nos jours. Il a à cœur de mettre en lumière la singularité de cette communauté, bien distincte, dit-il, de celle de la Lorraine voisine, à laquelle certains chercheurs ont tenté par le passé de l'assimiler. Suivant l'avis du professeur émérite d'histoire juive médiévale Simon Schwarzfuchs, les contacts entre les deux provinces sont en effet, jusqu'à une date récente, restés très limités. Pour Michel Kremper, comprendre l'histoire de cette communauté plurielle est en effet fondamental pour expliquer l'histoire de l'Alsace dans son intégralité. Et de noter qu'un de ses membres, bien qu'originaire d'Afrique du Nord, est même devenu maire de Mulhouse au début des années 1980. On voit donc ici le caractère ancien de la communauté juive historique d'Alsace, autant que sa capacité d'intégration d'éléments exogènes pour en faire de vrais Alsaciens. Et de fait, remarque le chercheur, les Juifs d'Alsace ont réussi à échapper aux deux écueils qui guettent traditionnellement leurs coreligionnaires de France, l'assimilation et la ghettoïsation. Bien insérés dans le tissu alsacien, aujourd'hui urbain, jadis rural, les Juifs d'Alsace se sont très tôt engagés dans la vie politique, locale comme nationale. Depuis Servbert, un enfant du pays devenu fournisseur des armées royales de Louis XV, jusqu'à Aaron Blum, élu maire de Rosheim en 1852, et plus tard avec son homonyme Léon Blum, devenu le mentor de la SFIO, puis le père des congés payés en tant que président du conseil sous le Front populaire. Si le texte est d'une lecture agréable et si le contenu se veut sérieux, on regrettera néanmoins un appendice iconographique maigre et quelque peu simpliste au regard de l'extraordinaire fonds documentaire disponible aux archives départementales, comme chez le collectionneur Michel Rotet, auteur du site des Juifs d'Alsace et de Lorraine, pourtant maintes fois évoqué dans l'ouvrage. Parmi les autres parutions notables de cette rentrée 2021, il convient de signaler l'intrigant « Rire pour réparer le monde », un ouvrage à la couverture tape à l'œil, centré sur l'humour des Juifs d'Alsace et de Lorraine. Écrit par l'éminent Freddy Raphaël, professeur de sociologie émérite de l'Université de Strasbourg et expert incontesté du judaïsme rhénan, cette monographie n'est pas sans rappeler l'ouvrage du rabbin Simon Debré, intitulé « L'humour judéo-alsacien », republié en 2018, également aux éditions de la Nuée Bleue. 3 ans de travail, donc, pour passer d'un recueil de citations et d'expressions juives populaires et rurales à un essai de sociologie replaçant les expressions en contexte et dans l'histoire d'une communauté jadis implantée dans chaque village et chaque bourg que compte la région.
Voici donc quelques pistes de cadeaux originales en vue des fêtes qui approchent, en espérant que la lecture de ces deux ouvrages, très différents mais volontiers complémentaires, suscitera l'envie d'aller découvrir l'extraordinaire patrimoine matériel et immatériel d'Alsace. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau thème d'actualité. D'ici là, excellente semaine à tous. Culture et patrimoine du judaïsme, une émission présentée par Emmanuel Attias.